C'est un an de Macron, mais c'est un an de décision qu'on attendait. On savait très bien comment il a été élu, on savait très bien ce qu'il avait envie de faire. Et on voit sur le terrain, au quotidien, comment les choses s'enclenchent. Et malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour les travailleurs, pour les retraités et pour tous ceux qui militent au service des plus faibles. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas son souci, on voit bien qu'il peut prendre des mesures complètement symboliques, qui ne rapportent pas d'argent et qui font mal aux gens. Hein, les 5 euros de l'APL par exemple. Là, on nous parle désormais d'un deuxième jour férié supprimé aux salariés pour financer le quatrième âge, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais c'est justement scandaleux que les salariés financent ce qui est de la solidarité nationale. Donc peut-être qu'il faut demander aux riches de donner un jour, et là ça fera beaucoup d'argent.